Allez les saumons. Allez les saumons, nage, on remonte la rivière. Bande de fils de pute. Ah non, tu arrêtes, hein, Jérémy, avec ta mauvaise humeur. Tu n'arrêtes pas de maugréer, de rouscailler, de rouméguer. De rouméguer? Mais oui, t'es tellement de mauvaise humeur, on est obligé d'employer un dictionnaire des synonymes. Et encore, je t'ai épargné rognonner. Mais c'est vrai, ça. T'arrêtes pas de rognonner. Tu rognonnes. Je rognonne parce que l'année dernière, à la même heure, on était déguisés en hérisson. C'était débile. Et là, on se retrouve déguisé en saumon. Ah oui. C'est-à-dire que vous avez réussi à proposer plus débile. C'était pas débile, les hérissons. Si, c'était débile, non, les hérissons. Si, si. Quand. Mais parce que vous êtes débile. Quand l'histoire du sketch se résume de la même manière que la chute du sketch, c'est débile. Histoire du sketch des hérissons traverse la route. Chute du sketch des hérissons traverse la route, c'est débile. Je te l'accorde. Le sketch des hérissons, ça manquait peut-être un peu d'épaisseur. Oh, oui, oui. Mais là, tu peux que aimer ce sketch des saumons. Parce que c'est des saumons qui remontent une rivière et il y a tout ce que t'aimes là-dedans. Il y a du fond et en plus, ça va à contre-courant. Allez. Bah ouais. Il y a du fond et c'est à contre-courant. Donc ça, c'est le ton que vous avez donné à tout le sketch. C'est pas le ton, c'est le saumon. Et puis c'est hyper beau, Jérémy, ce sketch. Parce que c'est quoi, c'est les saumons, c'est quoi les saumons? C'est les poissons qui sortent de l'eau marine pour aller dans les rivières, pour remonter les rivières au péril de leur vie. Ils bravent tous les dangers pendant des jours, des heures, des mois. C'est beau. Ils luttent contre les ours, ils sont affamés, ils ont faim. Pour au final quoi, donner la vie? Regarde-moi dans les yeux, Jérémy, et dis-moi que c'est pas une magnifique parabole de la vie, ça. Non mais oui, le truc des saumons, c'est vrai que c'est beau, c'est un voilà, beau truc. Voilà. Voilà. Et puis, une fois qu'ils sont arrivés à la rivière, ils accomplissent leur mission. Ils s'accouplent. Ils sont là, ils s'accouplent, et ils ont des orgasmes, et ils jouissent. Et voilà. Et leur semence se répand comme ça, et ils se baignent dedans, et ils se frottent, et ils sont là dans leur semence, et ça jouit. Oh, ça jouit. Allez, ça fait blablabla. Là, je t'ai suivi dans tous tes délires, mais c'est un peu dégueu. Jérémy, t'inquiète, on fait le sketch, mais on n'ira pas jusqu'au... Jusqu'au jacuzzi de sperme. Non, on n'ira pas jusque-là. Bon, allez. Bon, allez, faisons vite votre truc. Okay. Allez, on le fait. Allez, les saumons, on y va. Allez, on fait l'appel. Raymond. Présent. Edmond. Présent. Salomon. Oh non, putain, je m'appelle pas Salomon. Mais putain, c'est le meilleur prénom, Salomon. C'est celui qui va... Attends, qui est jamais content? Qui est jamais content? Putain, c'est le prénom qui se rapproche le plus de Salomon. Vous faire foutre. C'est presque un anagramme. Oui, c'est presque... Mais ça existe pas, presque un anagramme. C'est un anagramme ou c'est pas un anagramme. C'est comme une bonne idée, hein. Soit c'est une bonne idée, soit c'est pas une bonne idée. Voilà, mais quel ronchon, on aurait dû appeler ronchon le saumon. Allez, attention les copains, on arrive dans les rapides, il y a plein de pierres, oui. Ah ça c'est bien ça. C'est quoi ça? Ça c'est de la mise en scène, Jérémy. J'ai piqué ça à Robert Hossein. C'est Guillaume, costumé en pierre. Il fait des allers-retours. Nous, on reste immobile et ça donne l'illusion qu'on remonte la rivière. C'est saisissant. Oui. Bah oui, toi, tu t'en rends pas compte parce que t'es sur scène, mais du point de vue du public, l'illusion d'optique est parfaite. Ah ouais. Parfaite. Bon, allez, on la remonte, cette rivière. On a une éjaculation collective à faire. Oh. Sacré planning. Allez. Oh. Je vous jure que j'avais jamais vu le costume. Bonjour, je suis Hector Le Castor. Oh non! Oh, c'est bien, hein? Hector Le Castor! Je suis sûr qu'il a bloqué la rivière! Je suis Hector Le Castor et j'ai bloqué la rivière. Oh là là! C'est QFD! Quel travail sur les dialogues!
Oh, c'est... Vous vous améliorez chaque année. Oh, merci, merci, merci. Merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux, Hector le Castor? J'ai fait un barrage, donc si vous voulez passer, il faut... Il faut tourner la page, Paul. Ah. Tourne la page. Ah oui. Il faut répondre à une énigme. Oh non, non ! Une énigme ! C'est perdu, oh, les énigmes ! Mais nous sommes perdus ! Nous sommes perdus ! Oh là là ! Oh, oh là 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 ! Quelle est cette énigme, Hector le Castor ? Ad lib. Ça veut dire adaptation libre, tu inventes une énigme. Là, tu improvises, Paul, improvise, improvise une énigme. Ce que tu veux, ce que tu veux. Ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a, deux grandes dents? Bon, un castor. Félicitations, vous pouvez passer. Yeah! Bravo, Paul. T'as été super. C'est vrai. Ah, mais bien pas... sûr, c'est vrai, gros négodouille. Tu peux pas imaginer les retombées que tu vas avoir avec ce rôle. Ah ouais, ça va bien retomber, ouais. Merci. Allez, allez, bon, allez, allez. Bon, mais tâchez pas qu'il y ait plus de rebondissements parce que ça commence vraiment à être long. Allez, sérieux, allez, allez. Allez, quasi allez. Plus de rebondissements. C'est fini, après. Oh non. Attention. Attention. Attention, les saumons, ce sont des pêcheurs armés d'une canne à pêche et d'un hameçon. Oh non. Mais qu'est-ce qui pendouille au bout, là? Mon Dieu. Non, regarde pas, Baptiste, c'est un leurre. Mais non, c'est pas un leurre. Mais si. Mais non, c'est Émilie Ratajkowski. Non. Elle m'appelle. Non. C'est pas Eric Razazowski, c'est sur des sirènes, Baptiste. C'est, reviens à notre mission initiale qui est déjà culée. Mais là, je peux. Non, là, ça serait gâché. Il faut qu'on jouisse ensemble, oh, Baptiste. Ah, oh, merci. Ah, oh, tu m'as remis dans le droit chemin, merci. Oh. Quelle dramaturgie. C'est bien. Hein. Allez, allez. Oh, oh, oh encore un leurre. Un autre leurre, c'est satané pêcheur. Non, non, c'est un vrai truc, ça. Non. Si. Si, c'est des aides aux entreprises fragilisées, là, pendant le Covid, là. Non, mais non, ça va bon, si, 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 c'est l'écriture de Rosine Bachelot, là, je non, la reconnais. Non, là, c'est un vrai truc, mais là. Mais non, c'est un vrai truc. Résiste. Ah oui, tu voilà. Réussi. Ça sera ma seule participation honnête à ce sketch de merde. Oh, chiant. Oh, les monologues du vagin, j'adore ce livre. Reste avec nous! Edmond! Je le veux! Anna! Ils l'ont eu! Edmond! Attends. Oh non, Raymond! Edmond! Putain! Faut répéter hein, de temps en temps. Hein. Allez, c'est bon. Ah oui. J'ai réussi à m'en sortir. Oh. Il est revenu. Oh là là, mais je suis resté trop longtemps en dehors de l'eau. Je me suis noyé. Enfin non, je me suis l'inverse de noyé. Salomon, oui. Je te demande une dernière volonté avant de mourir. Vas-y, dis-moi. Alors, je voudrais que tu prennes ma semence et que tu l'emmènes pour assurer ma descendance. S'il te plaît. Prends ma semence. Mais comment je prends ta semence? T'es malade? Jacob. Pardon? Tu es la gobe, t'as pas de main, t'as pas Helmut le poulpe, t'as pas de main. Donc c'est... Tu peux la gober. Donc tu la gobes et tu l'emmènes. Mais tu l'avales pas, je te connais. Bon, allez, c'est bon. Allez, on arrête ce sketch. Merci, bonne soirée, amusez-vous bien. Non, allez, salut. Mais non, mais en plus, c'est... Tu peux pas partir comme ça, enfin. C'est le dernier numéro avant la fin du gala. C'est le tableau final du gala. C'est la chute du gala. On peut pas finir le gala comme ça en queue de poisson.